Salut à tous, c'est Atom et je suis avec Pauline. Comment tu vas, Pauline Salut. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance. James de suivre ce qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Donc, on va expliquer ça un petit peu plus après, mais salut à tous, tu as quelque chose je suis avec quelque chose à nous dire, une annonce. Oui, on a une bonne nouvelle pour commencer la journée. Alors, déjà, je vais dire bonjour aux gens qui arrivent tout doucement sur le chat. Bonjour. Thierry, bonjour Delphine, Jamila, toujours au taquet. Mmh. Euh, et en fait, bah, pendant que les gens arrivent tout doucement, je vais vous parler un petit peu du concours qui avait été organisé cette dernière semaine, ce, ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on en avait un petit peu parlé pendant, pendant des lives au début du mois. Et alors, du coup, je pense que Alexandre est en train de partager mon écran. Mmh. <laughs> et me dit oui Et en fait, il y avait un projet qui était inspiré du travail de Camilo Hidalgo qui s'appelait euh, le Light in the Winter. Donc euh, là je vous montre un petit peu sa page Instagram. Je crois que c'était un, un concours qui avait été organisé par euh, Adobe euh, UK. Et okay. du coup euh, la France et euh, l'Allemagne participaient aussi. Et aujourd'hui on va vous annoncer le gagnant en France. Euh, alors il suffisait de taguer On the Light Side sur Instagram et ça du coup vous pouvez voir un petit peu les participations de tout le monde. Je vous invite à aller jeter un oeil il y a des trucs vraiment, vraiment cool. C'est beau, il y a des choses belles. Hein. Ouais, voilà, il y a plein d'illustrations cool. Je sais qu'il y avait euh, bah, Laura Hulier et Aurore Bay, que vous avez beaucoup vu euh, le mercredi, qui en, ont, qui en ont beaucoup parlé. Donc voilà, c'était euh, ce, petit, ce petit projet d'illustration. Et donc, il y a euh, un abonnement iCloud. iCloud, qu'est-ce que je raconte Un abonnement Adobe. <laughs> Adobe a gagné pendant un <laughs> an. Et euh, une illustration de Camilo Hidalgo. Et du coup, la gagnante en France, c'est Julie de Figueredo, qui nous a partagé euh, cette illustration. Euh, lumière d'hiver. Voilà, je participe au challenge Adobe France, et euh, qui a été partagée par euh, Laura et Ourbe. Voilà, ouais. du coup, bah, félicitations Julie. Trop Merci. cool. <laughs> On va t'envoyer un petit message de toute façon. Et, euh, et vivement les prochains concours aussi, je crois que je trouve ça chouette. En plus, ils ont fait gagner une personne en France, une personne en Angleterre, une personne en Allemagne. Mmh. Voilà, voilà. Bien. Bien. Ouais, C'est joli ce qu'elle a fait. Hein. Donc, trop cool, la petite illustration réconfortante. Si vous avez raté celui-là, eh ce sera l'occasion d'en refaire l'année prochaine à la rentrée. Voilà. Bien. Alors, bah, du coup, on switch d'écran. On passe sur au... le tien tout doucement. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui Alors, il faut que j'arrête le partage du mien. Hop, voilà. Là et là, je partage le mien. Alors, ce que j'ai partagé, euh, ce que je vais vous partager, pardon. Alors, euh, donc, normalement, logiquement, vous devriez voir mon écran. C'est yes. good. Alors, euh, la dernière fois, tu m'avais donné des plans où euh, je t'avais dit ce qui allait être possible de faire ou pas. D'accord ouais. Euh, et j'avais donné du coup des indications pour contrer certains problèmes. Euh, et du coup, cette semaine, je me suis dit, je vais enregistrer moi des plans et montrer euh, différents cas de figure où ça marche et où ça marche pas. Ah bah carrément, euh, trop bien. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte réellement euh, de plein de choses super sympas. Et aussi des petites techniques de compositing euh, à droite et à gauche. Donc. Ouais, et je pense que je vais aussi ouais. te reposer des questions, je pense, pour clarifier des choses, parce que tu sais, des fois, je le vois. Quand on te regarde faire, ça a l'air tellement simple. <laughs> tu vois, c'est genre, ouais, vas-y, trop fort. Et en fait, euh, quand tu es tout seul en face de ton écran, tu es là, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté un truc là. Voilà. <laughs> Donc, euh, c'est pareil, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué sur un truc, n'hésitez pas. Euh, le ouais. bon. En fait, tu rends la chose simple quand tu l'expliques. Et finalement, quand on s'y met soi-même, c'est vraiment une autre affaire. Quoi. <rire> <rire> ben, je vais essayer de, de temporiser, de faire quelque chose de simple. Euh, ok. Eh bien, commençons tout de suite. Alors, premier cas de figure, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa euh, de vous montrer, par exemple, comment incruster quelque chose, une sorte de peinture, ou, ou je voulais peut-être incruster une sorte de dessin de Banksy ou un truc comme ça, Banksy, comme disent les anglais, euh, dans le délire. Et en fait, dans mon parking, je me suis dit c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de, de crépi qui s'en va. Ouais. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer comment on peut incruster quelque chose en 3D ou 2D par-dessus ça. Donc je pense que ça peut être intéressant euh, ce petit détail là. Euh, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Euh, donc là tout d'abord on peut voir que bon la caméra est en mouvement. Donc on va devoir faire un tracking de la caméra. C'est connu quand on fait des effets visuels. Le tracking c'est l'étape donc où on recrée une caméra virtuelle avec la même position. Euh, que euh, la caméra réelle, quoi. Donc là, en fait, c'est un effet qui s'appelle suivi de la caméra 3D dans After Effects en français, et en anglais, c'est 3D Camera Tracker avec okay. mon accent anglais. Euh, donc euh, là, ça va nous permettre du coup automatiquement de faire notre tracking. Et donc ce plan-là, normalement, devrait être pas compliqué à traquer. Mais après, je vais vous montrer des cas de figure que j'avais déjà abordé dans la session précédente où il y a des réglages qu'il faut faire attention, et euh, vous allez comprendre pourquoi ça peut être euh, catastrophique. Euh, du coup, on a euh, alors chimique Pro qui dit on fait quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue la session de la semaine dernière, sauf que là j'ai pris des plans et c'est moi qui vais expliquer euh, qu'est-ce que j'ai fait avec ces plans pour que ça marche. C'est marrant que tu proposes ce sujet-là. On a reçu euh, Mathieu Poli mardi et en fait lui il est artiste. Comment il se décrit est art... Il est artiste plasticien et il nous a montré un projet où en fait il utilise un rétroprojecteur. Okay. Il projette dans des endroits abandonnés des trucs et il dessine en live sur Photoshop Exactement. et en fait t'as l'impression que c'est un truc incrusté dans le mur. C'est trop bien ça. Et vachement bien fait, mais du coup, tu vois, quand il a montré les photos, j'étais là, oh bah il a fait euh, comme ce que tu es en train de nous montrer. Ouais. Et en fait non, il t'a il fait ça en direct au, euh, au vidéoprojecteur. Donc ben, euh, c'est euh, cool, si vous êtes trop nul en FX comme moi, vous pouvez ramener votre vidéoprojecteur euh, dans le garage de Atom. <laughs> et... <laughs> J'avoue. <laughs> du c'est marrant ça fait le lien avec les... ouais c'est vrai que ça fait un petit lien ouais, c'est clair euh, du, coup, du coup oui euh, alors là donc on a fait notre tracking le tracking est effectué, on peut voir qu'il y a plein de petits points qui sont créés et on va pouvoir euh, maintenant créer des indications par exemple ici en sélectionnant des points, il va nous faire une triangulation au point milieu de tout ce qu'on a sélectionné on va pouvoir faire un clic droit et créer un solide et une caméra. Et maintenant, After Effects a créé en fait une caméra 3D. Et mon solide aussi bouge exactement à l'emplacement où je veux mon dessin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et maintenant, on va essayer un peu de l'orienter. Voilà un peu de le placer où va être mon dessin et maintenant on va essayer d'utiliser de, de, une extension que j'avais présentée déjà dans un live de Adobe dans le passé euh, où c'était euh, des extensions et des plugins super cool dans What Workflow sur After Effects et celui-là s'appelle Wander et comme son nom l'indique ben, je peux c'est une baguette magique un petit peu c'est magique hein, où on peut dire par exemple je sais pas je recherche Banksy donc je vais marquer Banksy okay. et je peux rechercher par exemple euh, des bandes de données qui a sur internet directement ici par exemple sur wikipédia sur euh, plein de choses donc euh, il y a plein d'œuvres de Banksy comme on peut le voir de, du fameux gars qui fait des rats aussi donc, okay. mais du coup comment ça se passe pour les droits euh, ben, en fait c'est que des sites libres de droits ça ok d'accord donc en fait euh, il n'y a pas de droit on va dire sur ces images là parce que c'est Unsplash Unsplash une fois qu'on poste une image sur Unsplash elle est libre de droit, quoi ok d'accord donc euh, ils ont choisi ce genre de, de choses ça peut être un atout en plus de votre Adobe Stock, chérie. Euh, et du coup, euh, voilà. Donc, j'ai juste à cliquer sur l'image que je veux et je clique ici sur importer. Et maintenant, je l'ai directement dans ma composition en très bonne qualité, en 3000 par je ne sais pas combien. Donc, ça, c'est super pratique au lieu de faire des recherches euh, sur Internet. Oui, carrément. Euh, du coup, maintenant, je vais pouvoir le mettre en 3D. Et je peux, euh, pour copier les positions de mon solide ici, faire un contrôle. Et ici, en prenant le parent, le mettre sur mon solide. Ou c'est peut-être pas contrôle en fait. Je me trompe à chaque fois. C'est mage. Je crois que c'est mage. Ouais, mage. Et comme ça, une fois que vous restez appuyé sur mage et que vous vous parentez avec votre solide, lui, il se met automatiquement à la position où se trouve notre mur, du coup. Ok. Je vais enlever le et parent un peu. Euh, juste pour, pour copier, copier les positions. Et je vais pouvoir de faire par exemple une rotation ici, comme ça. Faire un contrôle. Vous bon. le nouveau gizmo de After Effects qui est trop cool. Hop. Et je le mets à peu près à la taille que je veux. Et maintenant, on peut voir que le fond est blanc et on a du noir et des couleurs. Alors, pour enlever un fond blanc et garder les noirs, on va utiliser un mode de fusion qui s'appelle le mode de fusion produit. Il y a différents modes de fusion comme addition, euh, écran, mais nous, on va utiliser produit ou multiply en anglais. Mais de toute façon, le secret, cela, c'est de tous les quoi. Oui, c'est ça. Si, si ce n'est pas celui-là qui marche, il faut tous les essayer jusqu'à ce qu'ils en aient Exactement, c'est ça. Et donc maintenant on peut voir qu'on a ça, donc on a une délimitation parce que le blanc n'est pas un blanc pur. Donc on va prendre un level, c'est juste un niveau. Et là je vais aller dans les blancs et hop 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 comme ça enlever toutes les informations pour que il ne me reste plus que le dessin, le croquis comme ça de Monsieur Banksy. Cool. Donc maintenant on peut voir ici qu'il y a un petit dépassement, donc on peut prendre un masque et hop ici masquer. Alors je n'ai pas fait de masque sur le bon layer, voilà. Et maintenant je dessine ici un petit contour. Tac. Et on le passe en mode soustraction. Et maintenant j'ai mon petit dessin qui est sur le mur, c'est nickel. Alors, quand on veut incruster quelque chose comme ça sur un plan, euh, déjà la première chose à faire, c'est le flou. Je le dis tout le temps, mais le flou sur une vidéo, même si c'est tourné avec une raide ultra vénère et tout, euh, ça sera toujours net. Toujours flou, pardon, un chouïa flou à 0,1. Euh, donc, il faut rajouter un flou. Donc, moi, j'utilise flou encadré accéléré ou Fastbox Blur en anglais. Et je peux mettre une valeur de 1, par exemple, ou euh, 2. Vous gérez en fonction du flou que vous avez sur votre image. Et tout de suite, en rajoutant du flou, ça va être beaucoup mieux incrusté. On a une petite question de Reda qui demande euh, Mais si on a une photo avec un flou qui n'est pas blanc, par exemple mais si on a une photo avec un fond qui n'est pas blanc alors, ben alors, ça dépend. Si c'est l'inverse, si c'est le fond qui est noir et ton dessin qui est blanc, tu le mets en mode écran, ça fait exactement l'inverse. Et euh, si tu n'as pas, de, de, si c'est des fonds, par exemple, vert, euh, rouge ou n'importe quoi, là, tu es obligé de le masquer à la main avec euh, l'outil plume. Donc, euh, c'est un, euh, un petit peu plus long. Mais, euh, mais voilà. Ça, le mode de fusion, c'est vraiment pour quand. Euh, tu as des couleurs fortes, comme par exemple sur tes stock shots d'explosion ou de feu, en général c'est du fond noir, eh bien bam, on met en mode écran ou addition, et c'est bon, c'est incrusté. Ouais. Alors le petit tip sur les modes de fusion, si tu peux le, si tu peux cliquer dessus qu'on voit le, oui. le, tous les modes de fusion possibles, en ouais. fait j'ai découvert ça au bout de 10 ans de Photoshop. Ouais. Le premier tas là, en fait ils sont tous séparés, ils sont un peu organisés, et le premier, ça va influencer, ça va laisser que les tons sombres. Et ensuite, ça va laisser que les tons clairs. Donc, au lieu de tous cliquer en pif, ça peut être. Tu vois, avant, moi, je les essayais tous, tu vois, jusqu'à ce qu'il y en ait oui. un qui marche. Et en fait, ils ont une sorte de logique dans la manière dont ils sont rangés. Donc là, voilà, le darken et tous ceux qui sont en dessous, ça va influer. Les tons. Ça va laisser apparaître que le sombre. Et okay. après, en dessous du lighten, ça va, laisser, ça va laisser apparaître que les tons clairs. Ah, bah, ça, c'est un bon truc. Bah, tu vois, 10 ans aussi daprès c'est aujourd'hui. Et de... du coup, voilà, ouais. au lieu de les tester n'importe comment, maintenant, je sais que si je veux faire ressortir du clair, bah, je vais donc. À la quoi, ah, de... ah ben, j'avoue que ça c'est plutôt cool. Bah, vous le savez, au moins hein. ça vous économisera 10 ans dans le flou, <laughs> donc c'est cool. Euh, nickel. Donc maintenant, on a rajouté du flou un peu sur notre image et ça passe un peu mieux. Mais maintenant, on veut faire passer donc cet effet de d'un peu crépi arraché, ouais, de craquelure, ouais. de craquelure. Donc on va faire une copie de notre plan de base et on peut faire de différentes façons. Soit... Il y a un effet qui s'appelle extraction ou extract euh, masquage par luminance en français, pardon. Et euh, du coup, on va pouvoir par exemple extraire que les zones par exemple claires pour obtenir par exemple ça. Et ensuite en dessous, on a un petit curseur qui nous fait aussi le flou. Donc on va pouvoir par exemple voilà, euh, définir des zones où il y a de la craquelure. Et maintenant, ah, du cool, coup, hein ça passe un peu en dessous. Bon, je vais enlever le son. Il y a encore le son. Hop, voilà. Mais maintenant, on dirait que c'est notre dessin qui est un peu craquelé. Oui, carrément. Donc ça, c'est super pratique et ça marche. Du coup, je peux déplacer mon, mon dessin ici. Vous voyez que ça peut, comme c'est sombre, on va dire, la, la, le bas de la, de, de la colonne, ça fait disparaître mon dessin automatiquement. Donc ça, c'est super pratique si vous voulez incruster des choses, euh, même que ce soit les ombres. Donc euh, c'est très 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 efficace comme technique. Euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi une autre technique qui serait de, euh, de faire un teinte sur notre layer pour qu'il soit noir et blanc et ensuite jouer avec un niveau et ensuite de masquer ce layer-là et de mettre mon layer Banksy en par exemple Luma. Et maintenant c'est comme un masque d'Alpha, de, 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 de Trackmat, pardon, ah, attends, 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 attends. Oui. Moi, je dis pousse. <laughs> la, oui. la dernière phrase, elle était incompréhensible pour moi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous préciser ce que c'est, les Luma, les maths, tous ces ouais, trucs-là Bien sûr, pardon. Parce que, pardon, que pardon. la dernière fois, j'ai essayé de refaire un tuto et c'est là où j'ai coincé. D'accord, <laughs> d'accord. Alors, un track math, c'est exactement ce qu'elle a. Là. Vous savez quoi Je vais vous faire carrément une composition pour vous expliquer. Hop. Donc, un track math, c'est quoi Alors, imaginons, je crée, euh, je ne sais pas, un texte. D'accord Et On va l'appeler. Adobe, wow. original, n'est-ce pas euh, Ok, prenons une police cool, voilà. On le met par exemple en blanc, c'est sympa, voilà. Et imaginons, d'accord Maintenant, j'importe, enfin, euh, je crée une forme, donc par exemple, je sais pas moi, on va créer une forme euh, circulaire, donc on va appeler euh, circle. On va le mettre en vert pour bien vous montrer exactement ce que ça fait au rouge. Et imaginons, je veux soustraire, par exemple, ce masque rond à mon texte de qui est en dessous, d'accord ouais. eh Bien, les track mats, c'est une option qu'il y a ici. En cliquant ici, il y aura quatre choix alpha mat, alpha inversé mat, luma mat et luma inverted mat. Donc là, en l'occurrence, on veut effacer l'alpha de notre cercle. C'est quoi l'alpha L'alpha, c'est la transparence. C'est où se trouve réellement la forme qu'on a. Une alpha est générée en général par des valeurs de noir et blanc. Bref, mais voilà, l'alpha, c'est l'opacité de notre layer. Donc, si on dit qu'on veut que notre texte soit visible que dans l'alpha, on va mettre alpha mat. Et maintenant, on peut voir que mon texte est visible que à l'endroit où il y a le cercle. Donc, si je veux soustraire, je passe en alpha inverted. Okay. C'est des soustractions en fait, de matière via d'autres layers. Et euh, imaginons dans notre cercle, je vais le remettre visible, je mets un effet qui s'appelle gradient. Et donc c'est un dégradé maintenant qui va du noir vers le blanc. Si je passe maintenant mon mode de fusion en luma, on peut voir qu'il y a du coup un dégradé. Et si je vais dans mon alpha, bon c'est pas très visible, mais on peut voir qu'ici c'est presque blanc et ça s'efface un peu au fur et à mesure. Et en gros, c'est via une valeur de gris, en fait, le luma matte en fonction de la luminosité de notre layer. Ok, mais alors, attends, je ne comprends pas. Là, tu as le petit œil qui est décoché, en fait, sur ton cercle. C'est ça, a... en fait, un trackmat, euh, c'est invisible. Ça nous sert juste de référence, tu vois. D'accord, donc, en fait, tu l'appliques et après, tu le désactives. Exactement, il se désactive. Il existe, en et euh, d'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est très pratique, et en Luma inverted, c'est pareil. Euh je fais disparaître là où il y a de la luminosité donc on peut voir que dès qu'il y a mon dégradé hop ça s'efface donc c'est comme ça que ça marche euh, les trackmats sur Adobe After Effects Eh bah, bien, écoute trop cool merci <laughs> Delphine dit ça me fait penser à l'outil correcteur ou Pathfinder dans Illustrator et en plus merci. subtil ouais je suis d'accord que c'est dans la liste des trucs de... je les essaye tous avant d'avoir celui que j'aime bien <laughs> <laughs> c'est ouais, vrai de comprendre la logique de celui-là mais ouais. euh, merci pour les précisions <laughs> Voilà. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Je l'ai passé du coup en Luma. Et après, moi, avec euh, un level, je peux écraser les zones ou pas. Donc c'est très pratique. Hop, voilà. C'est nickel. Euh, du coup, maintenant, on va euh, passer sur un autre plan. Euh, imaginons, allons sur le tracking dehors. Voilà. Donc ça, c'est un tracking avec tous les paramètres parfaits. Ça veut dire que si on regarde bien, alors attendez, j'ai juste un, ah, j'ai juste t en t en un souci avec ma box. Je reviens deux secondes. Hein. Okay, <laughs> Désolé, c'est cool. un souci. <laughs> on a perdu Atom. Et ben, en attendant, puisque je suis toute seule n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je ne vais pas vous répondre sur After Effects. C bon. sauf si Pardon. C <laughs> ah bah voilà. Sinon, internet, ah bah allait... Sinon internet allait se couper, ça aurait été... Euh, eh c'est cool. bon. Bon, Pierre dit, merci Pierre, il dit, c'est toujours bon de revoir ces classiques avec des définitions claires. Merci à Tom et Pauline. Oui, en fait, tu vois, c'est marrant de voir, pour toi, ça a l'air tellement évident. Et hum. du coup, je pense que c'est cool de revoir des trucs, des fois. Bah, c'est vrai, surtout que c'est des choses un peu floues euh, au tout début. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de tutos forcément anglais, et dès qu'un anglais commence à te dire « Yeah, you know track mad, luma inverted », et tout, toi, tu as, as 15 ans, tu es là « Je comprends rien ». Et c'est vrai que ce n'est <laughs> pas très clair, c'est des choses un peu floues. Quoi. Ouais, donc, ouais, c'est euh, cool. vrai que c'est bien de revoir un petit peu les bases. Du coup, là, je suis sur mon plan, donc comme je te l'ai dit, avec les réglages, nickel. Maintenant, je vais te montrer, je vais vous montrer à tous, pas qu'à Pauline, voyons, euh, les réglages pas dingues. Vous allez voir. Euh, là, par exemple, euh, ici, par exemple, je t'avais expliqué les réglages de vitesse d'obturation sur l'appareil ouais. photo et qu'il fallait que ça soit quand même haut, d'accord, vers 100 à peu près. Sinon, là, je suis à 50 et quand je fais un mouvement, regardez comment c'est flou. Okay. Je m'arrête là, hop, vous voyez, c'est super flou. Et en gros, ça, ça peut causer beaucoup de tort au tracking. Et là, j'ai fait exprès de mettre ma vitesse rapide, à, euh, lente, pardon, à 50. Euh, exprès pour vous montrer ça. Et aussi, un autre réglage, c'est que vous voyez que la luminosité, là, elle est ultra, ultra haute. Parce que, en fait, quand on fait des, de la vidéo, et surtout des effets spéciaux, on doit casser certaines règles. Par exemple, la vitesse d'obturation, quand on tourne normalement, euh, si on tourne à 24 images par seconde, on doit doubler euh, en vitesse d'obturation le frame par seconde. Donc, si je tourne en 24, je dois avoir 50 en euh, vitesse de euh, 100 non 50 50, 50 en, en vitesse d'obturation 24 x 2 ben voilà et en fx du coup il faudrait au moins tourner à 100 et du coup on casse un peu cette règle sauf que en faisant ça euh, vous le savez si on baisse la vitesse d'obturation on va gagner de la luminosité mais si on l'accélère on va perdre en luminosité donc là par exemple je suis à 50 et je, on voit qu'il y a trop de luminosité donc ensuite j'ai recompensé avec par exemple l'ouverture donc là, il y a des réglages qui commencent un peu à arriver. Mais l'ouverture, c'est quand on ferme le diaphragme, on peut voir qu'on a moins de lumière qui rentre dans l'objectif et du coup, on a maintenant cette vitesse d'obturation floue, mais avec l'exposition ici. Mais ça ne change rien, dans tous les cas, il est intracable parce qu'il y a trop de flou de mouvement, comme on peut le voir. Donc là maintenant, c'est juste pour vous expliquer que tous les réglages sont quand même bien liés entre eux et que si on bouge quelque chose quelque part, on doit bouger un autre réglage quelque part pour que ça soit… Équilibré. Et ouais. c'est un peu ça le challenge euh, quand on fait des effets visuels. Et il faut que ça rentre bien. Mais avec des réglages, réglages parfois qui sont un peu bizarres. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, ça, ce, que tu, ce dont tu parles là, c'est le triangle d'exposition, expo, c'est ça, en photo. Et c'est ouais. l'équilibre entre ces trois trucs-là euh, bah, l'ISO, -iso, la, hum. la vitesse et, euh, et le diaphragme. Et du coup, euh, je sais pas, est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce qu'on le met dans la liste des Alors. trucs dont ce serait cool d'en faire une session parce que c'est possible aussi. Mmh. Voilà, vous pouvez euh, faire des, des petites commandes comme ça. Mmh. Il <laughs> ben, y a Chimique qui dit que Tu parles des ISO. Alors, les ISO, c'est différent autres chose. C'est la sensibilité du capteur à la lumière. Et en gros, plus on a des ISO élevés, plus, plus on aura différent. du coup de la luminosité, mais plus il y aura du grain. Ouais, c'est ça. Et euh, je crois que je l'avais expliqué du coup la semaine dernière. Mais les grains, au niveau du tracking, lui, il va analyser ces petits pixels qui vibrent de partout. Et c'est pas dingue, ça va, ça va être pas ouf. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, du coup, maintenant, juste pour le fun, on va essayer de faire un tracking de ce plan-là. Euh, si la mort dit, t'es revenue vite. Pauline comptait nous faire une démo de tracking. Ouais, oh, mais hey, s'il nous reste du temps à la fin, tu vas nous faire un tracking. Hein. <laughs> <laughs> C'est mort. <laughs> OK, donc on va essayer de lancer un tracking maintenant. Hop. Et on va le laisser tourner. On va voir s'il arrive à nous faire un tracking. Après, After Effects est très 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 bon pour faire du tracking. Sans déconner, parmi tous les logiciels de tracking que j'ai testés, je pense que c'est celui qui demande le moins d'efforts et qui a le meilleur résultat. Donc, c'est fou d'avoir ça directement dans After Effects, parce qu'en plus de ça, il existe des scripts pour After Effects qui nous permet de prendre le tracking qui a été effectué sur After Effects et de l'envoyer, par exemple, sur Cinema 4D, sur 3ds Max, sur Maya, tous les logiciels. Donc okay. c'est très pratique euh, d'avoir ça. Donc là on peut voir que voilà donc, le tracking a été fait, mais là regardez, là il n'y a même, carrément plus rien après. Là il y a des points qui sont gros, ça a fait n'importe quoi. Donc s'imaginant je veux créer un solide ici, là, on va voir le tracking. Donc là au début, ok. Mais là, regardez, ah il commence à glisser, vous ah. voyez, là c'est pas fou. Hein. Donc ça à cause du flou parce qu'il n'arrive pas à, à comprendre les détails où il se trouve et tout ça. Euh, à écouter, Atom, tous les plus de 20 ans qui ont connu acté de vraie fuite. Le live comment ça J'ai pas compris. Moi non plus. J'ai pas très compris. Si tu peux oui. reposer euh, cette phrase, ça serait cool. Et Greg nous dit, on peut augmenter la sensibilité, mais alors question, comment réduire le bruit euh, Alors, aurait, du coup, est-ce qu'il y a un moyen déjà de faire des réductions de bruit euh, en post-prod Oui, en carrément. La réduction de bruit, ça se fait plus ton appareil il est cher et moins tu auras de bruit. Ça, c'est malheureusement. C'est ça. Si, si c'est à, à la prise de vue, ça va être vraiment la qualité de l'appareil photo qui va jouer là-dessus. Je... Exactement. C'est ça. Ben, par exemple, euh, imaginons là, j'ai pris ce shot euh, d'intérieur de parking. Euh, si je zoome par exemple dans cette porte-là, on peut voir qu'il y a du grain à balle. Le GH5, ma caméra est nulle en termes de sensibilité à la lumière. OK. Il y a du grain partout. Donc c'est pas beau et ça, ça peut euh, soit être déjà moche au rendu final, mais aussi oui, induire des erreurs dans notre tracking. Alors, moi je connais un plugin euh, qui s'appelle euh, Reduce Noise par Nit Video pour After Effects, qui est juste magique. C'est vraiment fou euh, ce plugin. Et en gros, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc je vous le marque dans le chat vite fait. C'est Nit Video Reduce Noise. Voilà. Et en gros là, donc il y a cette peut-être petite fenêtre qui s'ouvre et on voit tous les channels et tout ici du grain et on peut faire par exemple auto profile et lui il va chercher l'endroit qui correspond le mieux pour enlever le grain donc lui il se dit cette zone là et on fait apply euh, du coup maintenant ça enlève un peu de grain comme on peut le voir si je fais ça ça enlève un peu mais il en reste toujours alors comment régler ça on peut zoomer dans cette zone là faire ça une bonne zone là et faire encore une fois un build profile et on fait apply. Et maintenant j'ai plus de grain du tout. En coup. fait il fait tout seul, c'est pas toi il qui tout les réglages. Okay. Ouais, il fait tout seul et maintenant du coup on passe de ça à ça. Ok, alors je ne sais pas si vous voyez euh, en petit, mais euh, voilà. Bah, J'avoue qu'avec la compression YouTube, mais en gros il y a presque plus de grain du tout. Donc ouais, ça c'est incroyable et ce plugin enlève aussi, vous savez, euh, une fois qu'on tourne dans une pièce avec des LEDs. Euh, parfois si on ne synchronise pas notre vitesse d'obturation avec ces lumières il peut y avoir des volets comme ça ouais ça peut clignoter tac, tac, tac. Et, euh, et du coup ben ça ce plugin là les enlève ok c'est fou donc euh, voilà donc ça c'était du Noise pour le bruit voici euh, bah, donc écoute, la merci. on revient sur c'est bien c'est plein de digressions qui sont des réponses à des questions euh, à des questions cool je trouve ouais, euh, chimique prod Alors... On lui fait des bisous, il est là toutes les semaines pour te regarder. Euh, ouais. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si tu avais mis un objet pour faciliter le tracking euh, Ça aurait pu faciliter. Et c'est pour ça que justement, dans, les, dans le cinéma, euh, par exemple sur les plans-fonds verts et tout ça, ils mettent des, des trackers, des points trackers, ouais. des espèces de petites formes avec plein de petits détails, parce que c'est des choses sur, noix sur blanc avec beaucoup, encore une fois, de détails. Et quand on est sur fond vert, ben forcément, le fond vert, il est vert, il n'y a rien. Donc, on pose ça à droite, à gauche, et comme ça, ça peut aider, ça crée des accroches. Donc, oui, ça aurait pu largement aider, carrément. Euh, ok, donc on peut voir que notre tracking ici est complètement mort. Euh, du coup, un autre petit exemple, je vous avais parlé la semaine dernière de la stabilisation de votre objectif et de l'appareil qui peut euh, foutre en l'air votre tracking. Et là, on va essayer, du coup. Euh, de faire un tracking de ce plan là et on va voir si ça marche. Voyons, on fait ça. Ok. On va s'arrêter là pour le tracking, on va le faire là. Donc encore une fois, After Effect est très bon dans le tracking, mais là, la déformation d'objectif à cause de la stabilisation fout vraiment le bordel dans notre tracking. Alors Donc, bon, comment va... tu fais ça euh, ben, Je vais vous le montrer après, on va juste attendre que le tracking se fasse, mais euh, tu vas voir que euh, tu vas voir que... On va regarder des lignes. Et je vais essayer de, limite, de tracer des petits masques pour te montrer à quel point les lignes, parfois, elles font comme ça, elles, elles bougent comme ça et tout. Et ça, c'est l'objectif, en fait, qui essaye de compenser tes mouvements à l'opposé. Il fait comme un peu le warp stabilisateur de After Effects, le, la stabilisation de, de l'image, en moins bien, du coup. Ok. Et, euh, je, vais montrer, je vais vous montrer ça. Donc, le tracking se fait rapido. C'est très rapide, d'ailleurs, le tracking, c'est ça qui est cool. Il fait notre solve. Voilà. Donc maintenant, imaginons, j'intègre euh, un texte. Donc je clique là, je fais un texte et je l'appelle tracking. Hop. Et j'augmente la taille. On va essayer de voir si ça suit bien le sol dans nos mouvements. On se met comme ça, comme ça. Allez, c'est parti, on va voir ça. Euh, je vois déjà des petits glissements. On va essayer de check. Là, ici, par exemple, ça crée des tremblements. Dès que ça arrive sur un peu les bords, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ah, ici... Il y a une petite saute. Ouais, voilà, ça, ça crée des sautes parce qu'il ne sait pas réellement où aller. Donc ça, c'est gênant. Et en gros, euh, comment voir qu'il y a de la déformation de l'objectif, ça se voit un petit peu automatiquement quand on met play. Alors, je vais juste enlever le son. Ça, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais moi, j'ai vraiment l'habitude de, de, de ça. Mais ça se voit par exemple, la voiture, si on regarde, elle s'étire un peu. Ah ouais, ok. Et ça, ça fait pas partie ah, de l'objectif qui est large, c'est vraiment ah, la oui, déformation. C'est pas un petit truc, c'est vraiment. Ah un ouais, ça, qui ça change de taille. Quoi. Comme ça, okay. ouais, c'est ça. C'est vraiment extrême comme truc. Là, on peut le sentir ici, si vous regardez le truc du milieu avec ouais, okay. des, des plantes. Hop, on le sent que c'est déformé quoi. Et ça en fait, pour le tracking, c'est pas dingue. Et ça, c'est du, c'est la stabilisation, c'est pas l'objectif quoi. Euh, c'est la stabilisation de l'objectif ou du ah, boîtier en interne. Ok. Ouais, c'est fou. Et après, euh, donc imaginons, j'ai mon bon plan avec tous les bons réglages, sans la stabilisation de l'optique nickel et tout. Euh, si imaginons, je veux stabiliser ça pour faire un tracking ensuite, c'est possible, mais il faut faire attention parce qu'en fait, euh, la stabilisation Stabilisation de déformation en français. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la stabilisation sur After Effects est souvent trop intense. Donc, là, en fait, dans le smoothness, euh, on peut mettre pas 50, mais par exemple 5 ou 3. C'est suffisant. En fait, la valeur de base d'After Effects est beaucoup trop, beaucoup trop intense. Et parfois, ça nous donne des déformations dans l'image, un peu comme ce qu'on vient de voir là. Et donc, en diminuant l'intensité du smoothness, on va conserver exactement la même stabilisation qu'à 50%, sauf qu'il n'y aura plus de déformation. Donc, c'est fou. Et maintenant, si je mets play, c'est super stable, mais il n'y a pas de déformation dans mon image, ou très, 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 très peu. Et mon tracking sera largement faisable. Quoi. Ok, donc tu peux aussi récupérer un plan qui est un peu tordu, quoi. Exactement, tant que c'est très peu, minime. C'est fou. Donc imaginons on veut faire un tracking de ce plan-là. Donc euh, je stabilise Z. Hop, je fais un petit caméra tracker. Quel? Et je peux mettre analyse détaillée même pour que ça aille encore plus en détail dans le. Est-ce que le... des fois tu regardes des films et tu T arrives à garder la magie quand tu regardes des films avec des effets spéciaux et tout où tu vois tout? Euh, non j'arrive à garder largement la magie même voir plus parce que du coup je sais exactement ce qu'ils font et, et j'ai envie de pleurer du sang quoi. Fou. Et, euh, mais sinon parfois maintenant ce que je m'amuse à faire et ça c'est un truc qui ça arrive souvent pas tout le temps mais souvent euh, quand vous regardez un film regardez sur les extrémités de l'image parce que pour gagner du temps parfois ils font quelque... en fait selon la composition des plans et tout ça ils font des choses magnifiques là où le regard va directement mais sur les bords dès que le plan commence à se détacher tu as des trucs fait ouf c'est pas normal, ça. C'est pas beau, okay. des trucs comme ça. Et en fait, c'est un peu des, des caches misères quand c'est un peu le rush. C'est rare quand même sur des films vraiment blockbuster, mais ça arrive. Ah, et ça maintenant, arrive. ouais, maintenant à chaque fois que je regarde un plan où je fais oh, ça se voit qu'ils est... qu ont mis voilà, qui qu un peu vite. Je regarde sur les bords et je fais il y a des petits trucs, des réflexions qui manquent, des trucs qui, qui glissent un peu. Mais il faut regarder vraiment sur les extrémités, quoi. Ok, trop bien. <laughs> euh, du coup, hop, je peux créer mon solide. Et en fait, pour voir si un tracking est bon, on a juste à créer un solide qui fait ça sur le sol, comme ça, à peu près, on a grandi la taille. Et ensuite, je peux rajouter un effet qui s'appelle grille ou grid. Et maintenant, ça me fait cette grille-là. Et quand je mets play, je peux bien me rendre compte dans le détail si mon tracking marche ou pas. Ok. Donc là, en l'occurrence, ça va, il marche plutôt bien. Donc, c'est cool. Euh, Alors en... Pierre dit la déformation dépend beaucoup de l'optique aussi. Les vidéos filmées avec un téléphone, la déformation est abusée. Ouais, carrément. En fait, c'est parce que c'est au grand angle et plus l'angle il... il est grand, ça donne cet effet fichaille Et ça, vous le ouais. voyez. Il suffit juste de mettre son téléphone près de sa tête pour voir ouais. qu'on ouais. a la tronche toute déformée. Et en fait, ça fait la même chose sur le paysage. C'est juste qu'on s'en rend moins compte. Donc c'est vrai que c'est pas euh... c'est surtout... pas du Elle est grand angle. Ouais. Il existe deux styles de déformation. Du coup, c'est la déformation, comme je l'ai dit, de, de l'objectif qui essaye de se déformer pour compenser les mouvements. Et il y a l'objectif euh, des millimètres. Donc, c'est ce que vous dites de, des fuyantes, ouais. un peu qui partent à cause de la, de, de la bombure, on va dire, de l'objectif. Et du coup, euh, on le voit par exemple dans mon euh, stabilisation optique. On le voit bien ici. Si on regarde sur les bords. On voit bien que la voiture sur le côté, là, elle est très étirée en fait. Ouais. Et en gros, euh, pour. Ah, là, on le voit bien, la stabilisation optique, c'est pas beau. Hein. Ah, c'est le... c'est trop marrant. Ouais, vous voyez sur le, le, les escaliers ici, c'est. Et ça, ah, ça dépend pas grand. de. Ah, ça, ça dépend pas ma focale de caméra, ça dépend ouais, vraiment de. Ça bouge vraiment, c'est trop marrant. C'est ça, ouais. Et, euh, et en gros, voilà, donc il existe des moyens pour faire compenser, on va dire, les objectifs. Donc il y a l'effet le, le, optique composition. Qui nous permet de compenser littéralement les déformations pour avoir quelque chose de peu plus plat. Donc ouais. je sais qu'en fonction du constructeur de la focale, il existe des paramètres de FOV, de field of view à rentrer ici pour que précisément par exemple avec mon euh, c'est quoi comme objectif C'est un Olympus 24 mm, 7 14 mm pardon. Et bien, il y aura des valeurs de FOV à rentrer ici. Donc c'est très pratique. Il existe aussi un plugin par Red Giant qui s'appelle qui s'appelle. Je l'ai en plus. Qui la question, c'est quel plugin tu n'as pas Ah, ça, c'est la... la question. <rire> <rire> euh, il s'appelle Lens Distortion Matcher. Et en gros, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, euh, des lignes qui sont normalement droites, mais qui, à cause de mon objectif, va être un peu bombée. Et après, je peux faire un Remove Distortion. Et là, vous voyez que, hop, wow. il m'a un petit peu enlever la distorsion ah, et bien maintenant j'ai que des lignes mal. droites et ça d'ailleurs normalement il faut le faire avant le tracking et ensuite okay. on redéforme par dessus et donc maintenant ben, quand je regarde ben, tout, tout est droit tout est nickel donc c'est top ouais tout est bien. donc ça c'est cool pour ceux qui font de la photo il y a les dans Lightroom il y, a ce... il y a cette option là aussi vous choisissez votre objectif et vous faites des corrections euh, de l'objectif oui, exactement. Ouais, parce que ouais, parfois bon, bon, aussi, bon. Il, y a le, il y a le décalage. Des fois, il y a un petit décalage rouge et, et bleu. je sais. L'aberration que... chromatique, ouais. ouais. donc ça, il te, tu mets l'objectif et pouf, ça t'enlève l'aberration chromatique, le machin, ça t'enlève met des lignes de fuite. Carrément. Bon. Y a, y a, ça le fait aussi dans Caméra Raw, euh, qui a des outils comme ça automatiques euh, qui gèrent super bien tout ça. Donc, c'est vraiment top, ouais. Carrément. Il euh, y a une bonne question de Chimique Prod qui dit Mais si tu ne mets pas de stabilisation, la vidéo tremble beaucoup trop pour faire un taf potable non pas du tout, je peux carrément le faire sans mon tracking, enfin sans la stabilisation. Ça marche aussi, c'était juste en exemple. Mais si imaginons maintenant je refais le tracking, bon d'ailleurs là ça va être marrant, j'ai enlevé, enlevé la stabilisation, d'accord, mais j'ai conservé la caméra qui est traquée via la, le plan qui est stabilisé. Donc là en fait on va on va voir que ça glisse totalement, vous voyez Ah oui, ok Donc là en fait le oui, mouvement oui. de la caméra 3D est stabilisé mais ma vidéo n'est pas stabilisée donc c'est marrant. Et maintenant, donc si je, restabilise, je retraque ma vidéo, vous allez voir que ça va quand même marcher. Hein. On peut faire une analyse détaillée. Et c'est juste que c'est euh, en exemple de si vous voulez avoir une vidéo un peu plus stabilisée. Donc euh, sans ça marche aussi. Tant que euh, vraiment, il y a ces paramètres de vitesse d'obturation qui sont logiques, pas trop les ISO très forts. Euh, et l'ouverture, ça peut jouer, mais très rarement. En fait, l'ouverture va... Plus l'ouverture va être... Euh, grande, plus il va y avoir par exemple de flou en arrière-plan euh, et plus on va diminuer par exemple à F22, f22. donc là on ferme l'objectif et il y aura tout net, mais vraiment le background et le foreground, donc le premier plan et l'arrière-plan net. Et si je mets une ouverture à 1,2, un objectif euh, pff, vénère, eh ben, la personne va être nette, mais le derrière va être flou et ça, ça peut aussi influer sur votre tracking. Euh, mais maintenant, hop, si je fais un solide, hop, je mets la grille. Je crois que c'était Kubrick qui avait filmé avec des objectifs de la NASA qui ouvraient à 0,8 ou un truc aberrant comme la ça. Ouais. Ah, oui. Vénère. Et du coup, bah, on peut voir que c'est pas stabilisé, mais ça, le tracking marche quand même. Carrément. Donc c'est cool, ça, ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Euh... Finalement. Ouais. Juste euh, cliquer sur un bouton, mais il y a quand même un art subtil et plein de paramètres à prendre en compte et à euh, faire attention pour que ça marche. Quoi. Carrément, il y, a, il y a aussi un truc que j'avais déjà abordé avec toi qui est euh, sur, tu euh, te rappelles, le live avec les scooby biscuits Oui. <laughs> eh bien, en gros, il y a quelque chose à faire aussi en 3D qui s'appelle la normalisation de notre espace 3D. Je l'avais déjà expliqué, mais je vais le refaire parce que c'est quand même très important. Ça veut dire que, imaginons, j'ai traqué ma vidéo, donc ça ressemble à ça, ok. Et que maintenant, je veux créer un texte 3D. Donc, je vais l'appeler encore une fois tracking. Je vais le mettre en noir. Euh, hop, et je le mets en 3D. Là, on peut voir que déjà le, le tracking, enfin le texte, il s'en va. Voilà, il, il est devant, il, il est en l'air. Ouais. Voilà. Il est pas, c'est pas pratique pour travailler avec ça en fait. C'est vraiment pas pratique. Et en gros, euh, normaliser son espace 3D. Comment ça marche Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer avec et sans script, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas montré sans script. Maintenant, je vais vous montrer avec le script. Donc, en gros, comment ça marche euh, Je vais prendre ce solide, d'accord, que je vais appeler le sol, ou ground, et je vais parenter ma caméra, d'accord, à ce ground. Maintenant, je vais créer un nouveau solide que je vais appeler euh, information. Vous allez comprendre pourquoi. Et euh, ce calque-là, on va juste appuyer sur P pour voir sa position. Et lui, en fait, il est à l'épicentre de notre composition qui fait 1920 par 1080. Donc, l'épicentre, c'est 960 par 540. Et on fait juste ça pour avoir ces valeurs-là. Vous prenez la calculette et vous faites 1900 divisé par 2. Bref, euh, je suis pas très bon en maths. Du coup, je fais ça et c'est nickel. Euh, donc, on a ça. On a cette info-là. Donc, celui-là, on peut le masquer. Donc j'ai parenté ma caméra à mon ground et maintenant je vais prendre la position de mon ground et je vais mettre exactement les valeurs qui sont là. Donc là 960 par 540 et la valeur euh, ici de Z 0. Et ensuite dans la rotation du ground on va mettre 270, 0 et 0. Maintenant on déparente notre caméra et si j'affiche mon tracking et que je le mets en 3D. Hop, maintenant, il est à mon épicentre automatiquement de mon sol. Donc, c'est super pratique pour travailler. Et en fait, tout ce que je viens de faire là, avec tous ces trucs de mathématiques et tout, et que ça peut faire peur à des gens, il existe un script que j'avais présenté la dernière fois. Je vais vous le montrer. Qui s'appelle Normalize Track. Moi, je me le suis mis ici. Hop, voilà. Et c'est juste quelques petits boutons. Et en gros, comment ça marche Il va falloir prendre notre sol et l'appeler ground, d'accord C'est très important la nomenclature pour ce script. <laughs> il faut l'appeler ground. Et on va sélectionner du coup le ground et la caméra. Et on va cliquer sur ce petit bouton ici. Et maintenant, tout ce qu'on vient de faire là avec les chiffres et tout, ça a déjà été fait automatiquement. Donc maintenant, si je regarde la position de ma caméra, c'est bien à... Alors il faut bien que je me mette ici. Voilà. Si je vais créer mon layer en 3D, maintenant j'ai tout bien. Encore une fois, quand je le crée au centre, donc ça c'est cool. Donc ça marche pas souvent avec des layers texte, je ne sais pas pourquoi. Les textes y rechignent un peu, mais si je crée un solide euh, juste comme ça, on peut voir que le centre de notre solide est bien le centre de notre composition. Donc ça nous donc, permet juste avec un seul clic de gérer ça et c'est trop bien. Ça nous fait sauvegarder du temps encore. Donc je vais vous mettre un peu le script. Comment il s'appelle C'est, je vais vous mettre le lien carrément. Je suis chaud. Donc, Allez, c'est cool. marrant, les, tu sais, les, les typos avec un tracking, c'était pas un truc qui était genre à la mode il y a 10 ans. Toutes les, les génériques wow. de séries, les pubs et tout, y en a, tout le monde faisait ça. Carrément. Et moi, je me rappelle des, euh, des euh, génériques incroyables, je trouve, de M6 avant. Euh, ça faisait des trucs dans la rue et tout, avec des formes. Euh, avec M6, ils étaient super créatifs ah, même, oui. pour faire ça. Alors, je veux te dire un fun fact j'étais en stage dans la boîte qui faisait tous les génériques de la télé à l'époque. Ah ouais. Ouais. ouais, trop bien. Ocean design, il Incroyable. est tous, ouais. C'est trop cool. Ouais tu vois, ça m'a pas rendu meilleur en after effect. <laughs> ça n'a pas été le stage le plus le plus cool pour. Mais bon, on a ouais. essayé. Alors j'essaie de lire bien un petit peu. Tu es un génie, oh, C'est gentil, ça. Oh. Pierre, on va scalper. <laughs> euh, trop cool. Bah, content que ça te plaise, Jamila. Mais c'est vrai que c'est un tips très important à avoir, normaliser son espace 3D pour ensuite bosser d'une manière plus optimisée. Parce que avant, vraiment, normaliser mon espace 3D, je le fais que depuis un an. Je fais du after depuis dix ans. Hein. Donc à chaque fois, je normalisais pas, mon texte, il se barrait, je ne sais pas où, je devais prendre la composition, le, les paramètres, enfin, ça fait perdre du temps. Donc euh, voilà, c'est bien d'avoir ça. Mais ça, c'est le type ce qu'on apprend dans la douleur. Ouais, voilà, exactement. C'est le truc où, ben, par exemple, je sais qu'il y a, euh... imaginons, je vais importer une séquence d'images, n'importe laquelle. Euh... Vous allez voir, je vais vous donner un petit tip sympa. Ah mais je crois que je l'avais déjà donné. Ah, non c'est bon. Euh, imaginons, je prends une séquence d'images, par exemple celle-ci, et là je vais parler aux personnes qui font de la 3D. Euh, dans After Effects, quand on rend une séquence d'images en 3D, c'est juste un tip qui dure deux minutes. Euh, quand on rend une image, une séquence d'images, pardon, tous les artistes 3D font exactement ça pendant que le rendu se fait. Clique droit sur le truc d'image et reload footage. Pourquoi Parce qu'en fait, After Effects ne recharge pas automatiquement les images qui se créent. Il faut faire toujours clic droit, reload image. Et là, en gros, notre séquence fait tac-tac et on peut le recharger comme ça. Sauf que c'est un peu chiant parce que quand on fait reload image, on doit quand même après à la main faire ça jusqu'au bout de la séquence pour qu'elle soit finie. Et pour recharger automatiquement la séquence d'image, il faut faire clic droit, time, enable time remapping. Le mettre jusqu'au bout de notre séquence, faire clic droit, time, enable time remapping. Et maintenant, si je fais clic droit et recharger, lui automatiquement, il va se recharger automatiquement euh, comme ça. Pour les personnes qui font de la 3D, je sais que ça, vous allez faire. Ah, c'est cool. Ok. Euh... On en reparle pour quelques Super. années. Ouais, <laughs> voilà. C'était un petit truc pour les personnes qui font de la 3D. Voilà, c'était le, le quick tips euh, rapido. Euh, Est-ce que vous pouvez faire une typo qui clignote On peut. Alors. Tout faire Est-ce qu'on a faire. envie de le faire C'est une autre question. Eh bien, je vais le faire. Je vais vous Allez. montrer d'ailleurs quelques petits trucs sympas. Donc, imaginons, je mets un texte néon. Non, je vais l'appeler juste néon. Euh, voilà. Donc, euh, je le crée en 3D. Parfait. Donc, maintenant, il est sur mon sol. Imaginons, je vais le faire clignoter. Donc, clignoter, c'est tout simple. Hein. on va On va même le mettre en blanc, en fait. On peut aller dans les options d'opacité. Donc pour ça c'est euh, T, d'accord. Euh, D'ailleurs T c'est pour transparency peut-être. Je sais pas, j'essaie je, ouais, de réfléchir pourquoi ils l'ont mis sur T. Du coup ça doit être ça. Et euh, en gros on peut mettre un Alt en maintenant appuyé Alt sur l'option d'opacité et le chronomètre. On rentre dans le mode expression. Et là en gros on peut faire des automatisations de de, 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 de value en fait de nombres qui peuvent changer. Donc là imaginons je mets l'expression wiggle. Wiggle Alors, en anglais. Ton After Effects est en anglais. Oui, il est en anglais. Mais euh, les expressions restent en anglais partout, dans tous les cas. Hein. Ok, donc même si les gens ont leur After Effects en français, ils peuvent écrire Wiggle. C'est ça, c'est okay. que, que Wiggle donc, en plus, de manière. C'est un le... peu le dilemme existentiel, ça, les expressions oh. l'anglais, le français, ouais. Ah ben ouais, c'est sûr. Euh, donc là, Wiggle, et si je mets Wiggle, par exemple, 6,30, euh, on peut voir qu'il y a de légers tremblements dans l'opacité. Si je mets par exemple 300, là, vous voyez que c'est beaucoup plus fort. Donc en fait, ah, cool. ça, euh, la valeur de 6, c'est combien de fois par seconde la valeur va changer aléatoirement. Donc là, en une seconde, la valeur va changer 6 fois. Donc si je mets 20, ça va être beaucoup plus rapide. Tac, 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 tac. Et la deuxième valeur, c'est l'intensité. Donc si je mets par exemple 40... Non, On va voir que c'est beaucoup moins fort, c'est plus subtil. Ok. Et si tu mets wiggle sur euh, la taille ou la position, il se passe quoi Ouais, c'est pareil. En gros, wiggle, il marche sur tout Surtout. Sur ouais. Si je prends wiggle et que je mets wiggle, euh, voilà, par exemple 8. En et fait, ça taille, sert on... à faire varier les valeurs, wiggle. Ouais, ça exactement. Aléatoirement. Ok. Exactement. Donc ça marche sur euh, tout ce qu'on veut faire varier comme ça euh exactement, je vais vous montrer après d'autres trucs mais voilà, si je mets ça on voit que ça change la taille si je mets par exemple 10 il est drôle comme ça c'est marrant, oh, ouais. on va laisser comme ça et il y a même une autre une autre valeur sympathique, c'est dans l'opacité, euh, je crois que c'est pas ici, c'est dans l'option de texte, ici dans texte on a le more option je crois, non c'est pas more option, c'est dans l'option de texte, on descend ici et là, à droite, il y aura Animate. Et on peut animer, par exemple, l'opacité via la, les, les textes, en fait, les lettres. Donc, on peut changer indépendamment l'opacité de chaque lettre. Donc, si imaginons que je vais dans euh, le Range Selector et que je mets l'opacité à zéro, d'accord. Donc là, tout disparaît. Mais dans le Range Selector, si je bouge, on peut voir que je peux choisir quelle lettre disparaît. Donc maintenant, la lettre E a disparu. Et si dans l'offset, je mets mais un tu wiggle. Peux Comment Tu peux animer euh, la disparition des lettres et tout. Exactement. Okay. Ben là, par exemple, je vais pas mettre wiggle, mais je vais mettre dans l'offset une autre expression qui s'appelle time multiplié par exemple euh, 20. Et en gros, time, c'est une autre expression qui dit que en une seconde, la valeur va bouger de 20. Donc à chaque seconde, il y aura 20%. Donc si je mets time fois 20. On peut voir que là ça change doucement d'ailleurs. Donc si on met 2000, là ça va un peu plus vite, ça va même un peu trop vite. Mais voilà, maintenant on peut voir que ça change bien. Donc ça c'est cool. Donc on peut mettre euh, Wiggle encore une fois, Wiggle, euh, je sais pas moi. 10 200. Et maintenant, tac 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 tac, les lettres bougent comme ça. Trop cool c'est cool et imaginons on veut lui faire un effet un peu de lueur on a juste à créer un effet qui s'appelle deep glow c'est un plugin pardon voilà timid Pro dit ça sont le deep glow et voilà, et voilà allez il arrive bien sûr euh, on peut changer sa teinte on peut mettre plein de trucs donc par exemple du rouge ou du bleu et ensuite pour par exemple faire une réflexion sur notre sol hop oui, je... tu peux vraiment faire cet effet de néon qui clignote euh, hyper. Euh... Ouais, hyper facilement. Et là ouais. maintenant, tac, tac. et maintenant si je veux faire une réflexion sur mon sol, j'ai juste à faire une copie de mon néon, de faire une rotation à 180 degrés. Donc maintenant c'est juste euh, voilà ça. Euh, et si imaginons, je veux vraiment avoir des réflexions réalistes, j'ai juste à faire une, une copie pardon de mon plan de base. On va l'appeler réflexion mat. Vous allez comprendre pourquoi. Et si je l'isole avec ce petit bouton qui est ici, je peux rajouter un effet de teinte. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et un effet de niveau. Pourquoi je fais ça Oula, je sens que c'est allé très très vite là. Je vois ouais, bien. Je, justement, maintenant <laughs> je vais temporiser. Pourquoi <laughs> j'ai fait une copie de mon calque et je l'ai mis en noir et blanc et que j'ai rajouté un contraste Tout simplement parce que je vais rajouter sur mon layer de réflexion un effet qui s'appelle compound blur ou flou de composite. C'est un effet de flou, tout simplement. Sauf que c'est un effet de flou qu'on peut flouter à partir de notre layer. Donc en l'occurrence, notre réflexion mat. Là, on peut voir qu'on a ça, d'accord Et en fait, cet flé... effet réfléchit avec des valeurs de noir et blanc. Il va réfléchir, donc blanc, je floute pas, par exemple. Et noir, je floute. Voilà pourquoi j'ai rajouté un effet de teinte et de euh, contraste. Parce que maintenant, dès que je vais rajouter des contrastes, regarde comment on va récupérer des détails sur le sol, tu vas voir. Ok. Attends, hop, voilà. Si je rajoute ici des contrastes, bien sûr, il ne faut pas que ce soit visible, ça. Voilà, hop. Tu vas voir que. Ah oui, c'est vrai. Alors, <laughs> j'ai oublié un truc. Alors là, ça fait rien. Mais pourquoi ça fait rien Tout simplement parce que dans les effets ici, il y a une petite option ici à droite qui s'appelle source. Ça veut dire qu'on base notre layer sur la source en elle-même, mais on peut aussi dire la source, mais aussi ses effets. Donc on dit que ben, il faut qu'ils prennent en compte le teinte et le niveau. Et si je fais ça, hop, tout de suite là on commence à avoir des choses un peu intéressantes qui arrivent ici. Ah, ok. Voilà, et dès que je change ça un peu, voilà, hop, tu vois. On peut essayer d'avoir donc cet effet un peu... Euh... Oui, on dirait qu'il pleut. Aussi, oui. Mmh. <laughs> et ça, Comment ça peut être. Pourrais, euh, une réflexion dans de l'eau, par exemple. Tu vois, pour avoir cet effet. Euh... Pareil. J'aurais okay. fait exactement la même technique. Euh, et ça exactement. aurait pris du coup les, les petites vagues, les, les imperfections de l'eau ou pas Oui, ouais, ça aurait okay. fait ça et tout. Ouais. Donc c'est super, super cool. Ah, c'est cool, ouais. Et on peut du coup flouter beaucoup pour avoir quelque chose un peu plus vraiment vénère. Et euh, voilà, et je sais qu'on peut, enfin, je sais, je ne l'ai jamais fait, mais à chaque fois que je fais cette technique, je me dis pourquoi pas faire un jour un effet comme si eh bien le sol, en fait, c'était une fine couche de glace. Et qu'en dessous il y avait des objets parce que si on regarde bien, on dirait que c'est limite sous une surface fine un peu. Oui, c'est ça, on dirait que c'est vraiment sur un truc mouillé ou tu Exactement, vois. Exactement, ouais. Mm. Et si je veux que par exemple, il y ait des zones même les zones n'est plus pas flou, soit quand même légèrement un peu flou, juste dans mon effet de teinte ici, je, la valeur de noir du coup là où non, c'est pas flou, je peux lui un mettre un une valeur gris. de gris. OK. Voilà, et du coup au moins ça Floutera quand même même si euh, c'est pas très intense. Ok. Voilà. C'est la même chose que Reflection de Red Giant. Exactement. Je pense qu'ils ont automatisé un petit peu ce process là. Euh, sauf que nous, on le fait à la main. Et j'avoue que c'est très bien. Cet effet de compound blur qu'il y a dans After Effect est super bien. de composite. Donc c'est comme ça qu'on peut gérer ça. Et on peut... Du coup, j'avais fait ce complet exprès pour les reflets, mais en gros, on peut faire exactement la même ici. Donc si je crée un sol, là on va pas faire tracking, on va aller un peu vite, mais. Hop, 3D track. Bim. on le passe en 3D. Je vais refaire exactement la même chose pour vous montrer à quel point c'est super cool cette technique. Voilà. Super. Donc si maintenant je fais une réflexion, je fais une copie, je le mets à 180 degrés. Je fais une copie. Je passe ce layer-là en teinte et en level. Je le masque. Et maintenant, dans ma réflexion, je vais mettre un effet de flux composite, comme blur. Bam. Et je vais mettre du coup ma réflexion avec ses effets et ses masques. Et je vais maintenant rajouter encore une fois des contrastes. Et voilà. Ouais, c'est cool, c'est vraiment marrant. Maintenant, j'ai cet effet un peu de réflexion. Donc ça, c'est trop bien. Ouais, c'est hyper cool. <laughs> Merci. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on fait ce genre de réflexion sur un seul... Ah, c'est marrant comme ça. Ok. Ouais, c'est marrant. C'est fou. C'est fou tout ce qu'on peut faire. <laughs> c'est peu fou, c'est puissant quand même. Hein. <laughs> Donc voilà. C'est officiellement Atom qui m'a fait découvrir cette technique qui ajoute vraiment du réalisme au compo VFX. Merci Maestro. Ben, merci beaucoup Pierre. Ben, content que cette technique te plaise parce que j'avoue que c'est très, très 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 pratique. Euh, je me rappelle même dans. J'avais fait un live où j'ai expliqué un petit peu comment j'avais fait des effets de sort euh, en slow motion, un peu arrêté dans le temps. Et en gros, c'est pratique aussi si on met des lumières. Donc si les lumières. On a une lumière sur le sol et qu'on se dit. Allez, hop, la petite lumière, voilà, c'est cool. Je le mets en mode écran ou addition, mais c'est pas beau. On est d'accord, c'est pas beau du tout. Ouais, carrément. Alors pour changer ça, encore une fois, on peut faire une copie de mon layer, mon, ma vidéo de base, le mettre par dessus, et comme tout à l'heure avec le premier truc de Banksy. J'allais marquer Banksy dans ma recherche d'effet. Mon cerveau est fatigué. <laughs> mais on peut mettre du coup un masquage par luminance et je peux dire, bah, tu enlèves par exemple. Toutes les zones de lumière. Ou de, de sombre. Ok. Et en faisant ça, en gros, et en rajoutant un peu de feather ici, avec ce paramètre-là. Tout de suite ah, on ouais, peut avoir... Cool, ouais. là, voilà, on peut avoir vraiment un effet de lumière. Beaucoup plus réaliste, même sur les murs et tout, on peut voir ah, ici. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà, c'est un peu mieux que juste ce truc. Ouais, de ouf. Non mais carrément. Il y a aussi le mode densité, euh, couleur, dodge, mais je ne pense pas que ce soit très efficace là. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu ces tips-là. Moi, je trouve ça fou qu'il y ait tous ces trucs-là euh, dans After et que tu vois, on n'ait pas ça dans Photoshop. Moi, ça, ça me. Tu vois, typiquement, ça, c'est un truc que je ferais en photo. Limite, j'ai un peu ma photo dans After pour faire cet effet-là. Eh ben, et après, je la remettrai dans Photoshop, tu vois. Je sais que c'est possible avec Photoshop. Euh, en fait, euh, tu, tu fais une copie comme moi de mon layer au-dessus de ce que tu ouais. veux, voilà. Et je crois que c'est dans tes, tu sais, euh, euh, là où il y a biseau et euh, tu vois bevel et Ambrose et tous ces trucs là, biseau et machin. Je ne ouais. connais pas trop dans Photoshop, hein. euh, mais je sais qu'il y a une option exactement pareille, une sorte de level où tu peux extraire les zones de lumière et d'ombre. De, c'est dedans. Okay. Hein. Et je sais que tu peux le faire comme ça aussi. Donc c'est faisable, c'est faisable. Bah, écoute, je demanderai, à... je demanderai, à Alexandre ou si tu vois. Super <laughs> cool. Ouais, ça rend super bien. Ah, ben merci. Ah, ben voilà. On a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, C'était surtout, voilà, comment, euh, comment faire de jolis plans vidéo avec votre caméra pour euh, que ça soit faisable, en fait, après en post-prod. Et pour pas faire. Euh... Bon, du coup, tu nous montres plein de trucs. Euh... Je commence à comprendre un petit peu, tu sais, les réels qui disent ouais, on verra ça en post prod et tout. <laughs> il dit ouais, on le filera à tout, c'est bon, ils sont ben, Ouais, C'est bon, <laughs> il va arrêter de dormir, on va le payer, c'est bon, il va le faire. C'est ça un petit peu, c'est ça. Et ouais, c'est clair que sur un PC on peut tout tout sauver, mais juste pff, il, faut, il faut que les gens sur les tournages fassent bien leur taf aussi, sinon c'est impossible après quoi. Donc voilà. <laughs> et ben écoute, trop cool, c'était hyper chouette. Eh bien, voilà. j'espère que ça vous a plu et que aussi vous avez appris des choses. Ouais, Greg dit avec les styles de calque dans Photoshop. Eh ben, écoute, je vais, calque, je vais aller creuser ça. C'est les styles de calque. du Vas-y, je vais voir ça. Et propose une petite session euh, Photoshop. Euh, oui, d'ailleurs, à la rentrée, il me semble qu'il y aura du Photoshop euh, assez intensif euh, une fois par semaine. Ça va être cool. Donc là, oui, c'est la dernière session avant les vacances, c'est ça enfin, euh, deux Non, deux, il y a Franck euh, demain. Ok, prends demain et après ça clôture jusqu'à la rentrée. Voilà, donc du coup, alors dire, Pierre dit très cool, encore des super tips, espérons mm -hmm. qu'on retienne tout, mais c'est clair, il y en a tellement. Il y a des rep replays, c'est pas grave, c'est ça qui Il y a le replay, carrément. <laughs> Chimique Proxy dit des petits tips qui font plaisir, bah, trop cool, merci, euh, merci d'être là. Bah, cool. euh, moi, c'est ma dernière session de l'année, donc euh, je remercie tout le monde. Tout le monde euh... Qui étaient là tous les jours pour regarder, c'était quand même hyper cool. C'était une année euh, un peu ouais. bizarre, mais moi ça m'a vraiment euh, <laughs> trop bien. C'était trop cool. Moi aussi j'ai super kiffé faire ça et, et j'espère pourquoi pas revenir à la rentrée. Euh... Voilà, c'est ça. Donc... Les personnes qui veulent que je revienne, vous bombardez Adobe, hein, vous leur dites Bon, écoutez, on veut revoir à Tom. Hein. <laughs> <laughs> on veut revoir Pauline aussi, ça marche aussi. Hein, et bien sûr, si, veut... <laughs> hey, nos sessions ensemble sont trop cool, je trouve. Hein. <laughs> Grave, voilà. La team dire, bien Oui, bien bien du coup, demain vous allez retrouver Franck pour la toute dernière session. Et euh, après, moi je reviens, je rattaquerai la rentrée le lundi 11 janvier. Voilà. Avec un tout nouveau programme. Ça va être un peu différent. Il y aura... Ce ne sera pas tous les jours de la semaine. Donc je pense que le lundi 11, vous pouvez vous mettre une petite alarme. Je serai là et je pense qu'on se fera un petit genre. Qu'est-ce qu'il va se passer cette année Ou euh, les prochains mois, que, de toute façon... Voilà. Pierre dit on veut le duo de choc. Ouais, carrément. <laughs> carrément. Bah, merci tout le monde, je vous fais des bisous. Et bah merci, merci, ouais, merci d'avoir suivi ce live pendant une heure. Ouais, <laughs> c'était chouette et passer des bonnes fêtes et puis euh, aller embêter Franck demain sur son live. <rire> <rire> carrément. <rire> allez bisous tout le monde. Allez salut à tous. À la prochaine.